Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Holy Cube. J'espère que vous allez bien. Oui, désolé, mesdames, messieurs, ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvé pour un épisode de Holy Cube. Bah, pour ceux qui n'ont pas suivi, tout simplement, il y a la nouvelle extension de World of Warcraft qui est sortie et du coup, ça m'a pris pas mal de temps. J'ai pris une petite semaine vraiment pour me consacrer un petit peu à World of Warcraft, mais on va pouvoir reprendre le rythme tranquillement. Avant que cette vidéo commence, je voulais vous parler comme chaque mois de mon partenaire Instant Gaming. Comme vous le savez, Instant Gaming est une plateforme où vous pouvez acheter des jeux bien évidemment moins chers, comme vous pouvez le voir là sur la page, sur le dernier Immortal Phoenix Rising, vous avez moins 23%, Cyberpunk qui arrive aussi, et bien évidemment plein d'autres jeux qui sont disponibles. Mais ce mois-ci, pour la sortie de Cyberpunk, Instant Gaming fait un très gros concours pour vous faire gagner 10 clés du jeu, ainsi qu'une RTX 3080 pour bien profiter de ce jeu qui sera très gourmand. Vous avez bien évidemment le lien dans la description, et merci toujours à Instant Gaming de soutenir la chaîne tous les mois. N'hésitez pas à check dans la description. Et du coup, on est parti pour la vidéo. Aujourd'hui, nous avons pas mal de choses à faire comme une nouvelle grande salle. Et il s'agit bien évidemment de la Forge. Je pense que c'est une salle un petit peu obligatoire dans ce genre de projet, surtout autour du RP de ma zone. Et donc, on verra ça un petit peu plus tard dans l'épisode. Ensuite, il y a d'autres choses que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui. C'est que, bah, comme je suis parti une petite semaine, où je me suis pas vraiment co sur le serveur, on peut dire que je me suis fait prank, mais une prank plutôt intéressante en vrai. Je félicite bien sûr la personne qui l'a faite parce qu'elle est vraiment parfaite. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cet épisode, on va également aller à ma maison au spawn parce que pendant que j'étais pas là, la Edenco a fait la décoration de ma maison à l'envers, donc je vais aller découvrir ça. Je me suis pas du tout spoilé de ce qu'ils ont fait. J'ai vraiment hâte de voir comment ils ont pu bosser sur ça parce que c'était pas facile. Je vais profiter de ce début d'épisode pour vous parler d'une autre série qui est actuellement sur ma chaîne. Elle s'appelle Seul dans l'hiver. Elle vient de commencer, le premier épisode est déjà disponible, il sera dans le petit en haut à droite. En fait, je me permets de vous en parler ici parce qu'en ce moment sur YouTube, on m'a informé qu'il y a eu un petit changement d'algorithme du coup qui cause un petit peu la baisse des vidéos, même l'envoi des notifications, etc. Donc voilà, pour être sûr que vous ne passez pas à côté, c'est une série en modé avec le thème de l'hiver, bien évidemment, parce qu'il commence à faire froid et que ça peut être intéressant de faire une thématique sur ça, où il y a de la construction, de la technologie, de l'aventure, vraiment pas mal de choses. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker, je vous mettrai le lien dans la description et merci à ceux qui iront voir. Et bien sûr, voilà, pour vraiment pas louper les épisodes de n'importe quelle série que vous pouvez apprécier sur ma chaîne, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner et le petit like aussi qui fait toujours plaisir et le petit mot pour le référencement si vous marquez hiver dans les commentaires, voilà, ça aide beaucoup. Voilà, c'est vrai que ces derniers temps on est obligé de vous demander ça parce que sinon ça se casse un petit peu la gueule, hein, qu'on se le dise. Donc pour ce début d'épisode, mesdames et messieurs, nous allons aller voir un petit peu, bah, vous allez la voir de suite, hein, la prank de monsieur Zanzag. Oui, alors c'est, je sais pas quoi, comment, si on peut appeler vraiment ça une prank, parce que c'est carrément un bâtiment, hein, genre voilà, genre il y en a certains qui ont pas le temps vraiment quand ils font des pranks, ouais, c'est plutôt intéressant. Donc il a fait ça pendant que je n'étais pas là, pendant une semaine que j'étais en train de jouer à World of Warcraft, et comme vous pouvez le constater, ben c'est une prank World of Warcraft. On va aller lire les petits panneaux qui sont juste derrière. Alors déjà les bannières sont incroyables, c'est le logo de la Horde d'en haut, donc c'est trop bien, je pense que je vais les garder. Mais de toute façon, partez du principe, je vais tout garder, voilà, parce que vous allez le voir, ça peut très bien s'intégrer au projet. Bonjour Monsieur Magic, suite à votre absence pour jouer à ce super jeu qui est WoW, nous avons pris l'initiative de sécuriser votre zone pour éviter que nos ennemis de l'Alliance ne s'emparent de vos terres durant votre absence. Opération financée par la Unicorp, signée Lortema. Alors, en gros, pour ceux qui connaissent pas World of Warcraft, c'est une construction elfique, voilà, tout simplement. Donc vous allez voir pourquoi c'est intéressant de le garder dans la zone, parce que dans la suite du projet, j'avais prévu de faire des trucs elfiques ici. Et donc ce bâtiment-là se trouve dans les péninsules des Flammes Infernales, qui est une zone qui a pas forcément la même identité qu'ici, mais c'est quand même une zone qui est plutôt rouge, etc., mais où il y a beaucoup de feu. Et donc je trouve que ça va plutôt bien avec, parce que moi, dans la suite du projet, ce que je comptais faire dans ce biome ici, en tout cas dans l'endroit qui sera le gros cratère, etc., avec les montagnes qui seront travaillées quand on aura fait le terraforming, donc voilà, c'était d'avoir un village un petit peu elfique qui a été un peu détruit par les flammes. Donc ça veut dire qu'on va garder cette tour, mesdames, messieurs, qu'on va l'améliorer pour qu'elle soit vraiment dans le thème, donc avec peut-être des trous, du feu, etc., mais
pour le coup, bravo Zanzac, je crois qu'il y avait Tutu qui l'a aidé, et voilà, il a mis ses petits personnages un petit peu à droite, à gauche, donc c'est plutôt cool, et j'aime beaucoup le style de la construction qui est très très fidèle, en tout cas de ce qui est vraiment dans le jeu de World of Warcraft, et pour le coup, c'est très intéressant. Voilà, ça monte, il y a plein de... Il y a même de la déco à l'intérieur, genre vraiment, il nous a fait un projet à lui tout seul, genre en termes de prank. Nous, on a juste posé des carpettes chez lui pour faire un truc rainbow magnifique, mais c'est vrai que c'est pas le même niveau et j'apprécie beaucoup. Donc voilà, je pense qu'on peut enterrer la hache de guerre de la guerre des fusées, mesdames et messieurs, dès maintenant. Je pense que, au vu de l'aide qu'il a apportée au projet, parce qu'indirectement, c'est... Il m'a quand même demandé avant s'il pouvait faire un truc sur le thème de WoW, il m'a demandé si j'aimais la horde, etc. Donc il s'est quand même bien renseigné et il est vraiment très bien tombé, vu que bah, de toute façon, le projet prenait une petite part d'elfique ici à l'extérieur et qui se... Un elfique un peu défoncé, mais... Mais voilà. On va maintenant aller au Spawn Nether, mesdames et messieurs, où la Eden Co. a réalisé la décoration de ma maison à l'envers. Donc j'ai vraiment hâte hein, de voir ce qu'ils ont fait, parce que c'est vrai que c'était quand même un petit challenge en termes de décoration. Donc à voir s'ils ont bien respecté hein, vraiment le fait de faire tout vraiment sur le plafond hein, directement pour nous qui sommes à l'endroit. Donc... On va essayer de rentrer directement... Ah, la maison est de l'autre côté, c'est vrai. Je suis en train de chercher. Hop, hop là. Waouh, oh, ils se sont gavés. C'est trop bien. Vraiment, tout est à l'envers. Il y a même les escaliers. Du coup, on peut pas vraiment utiliser les escaliers vu qu'ils sont dans l'autre sens, hein, en soi. Parce que, bon, voilà. Vous comprenez que c'est une maison à l'envers. Du coup, ça me paraît logique que je peux pas prendre des escaliers. On fera quand même, je pense, des colonnes de comment ça s'appelle ça, les scaffolding, un petit peu dans toute la maison pour pouvoir aller d'étage en étage et pouvoir remonter tranquillement. Mais ils sont trop forts. Hein. Franchement, déjà que leur déco de base est insane, là, ils ont vraiment relevé un défi très intéressant. Je pense que même ça leur a changé un petit peu de leur quotidien. Je pense qu'ils sont un peu plus cassés la tête que d'habitude. Mais ils ont vraiment bien réussi parce qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire quand c'est à l'envers. Par exemple, quel exemple je pourrais prendre? Bah, toute fin. Tout simplement mettre des torches. Bah, vous pouvez pas mettre des torches sur une barrière ici parce que de toute façon elle sera dans le sens opposé. Mais j'ai bien fait de faire appel à eux encore une fois. Bon, ils ont fait que deux étages. Je crois qu'il y a, je sais plus s'il y a un autre étage en dessous. Mais c'est déjà bien suffisant. Franchement, ils ont fait un super taf. Vous pouvez bien sûr aller ou mettre des cœurs dans les commentaires pour Mayuko et Edo qui ont fait vraiment un taf super. Je suis très content. Bah, en fait, j'avais peur qu'ils se soient trompés. Ils se sont dit ah non, mais on fait quand même la déco à l'endroit. Même si la maison est à l'envers pour qu'elle ait une utilisation classique. Mais ils ont quand même fait... En vrai, oh, ça c'est trop cool par contre, les petites lianes pour faire des trucs sur la table. Il y a tellement de bonnes idées. Moi à chaque fois je... Oh, ils ont réussi à faire du feu à l'envers. Comment ils font ça? Oh, ah mais c'est si stylé, il faudrait que je leur demande comment ils ont fait. Ah je pense qu'ils ont juste allumé une bûche mais ça se propage pas et ça fait ça. Oh, ils sont vraiment trop forts. Vous avez vu comment ils sont trop forts, putain. Bon, en tout cas, GG à eux, je suis vraiment très content d'habiter dans cette maison à l'envers. Je ne peux pas vraiment profiter de la déco, mais je crois qu'Edo, il avait réussi à faire un glitch, à se mettre quelque part pour avoir l'impression d'être vraiment dans l'autre sens. Bon, après, on peut tout simplement faire ça, retourner l'image, et non, là, on a vraiment l'impression d'être à l'endroit, non? Bon, ça, c'est au montage, hein, mais bon, voilà. On va maintenant retourner dans notre biome, donc c'est pas là, bien sûr, voilà, c'est tout simple. Et sur la route, je tenais à m'excuser par ma non-participation aux Olympics. Vous savez, j'ai vu des commentaires disant « Pourquoi tu participes pas aux events multi, etc. ?» J'ai eu un problème le jour, vraiment, des Olympics. Vraiment, j'allais appuyer sur le bouton pour lancer le live. Et malheureusement, j'ai pas pu être là. Vraiment, c'était à la dernière seconde. Et vous comprendrez que bah, les choses de la vie sont plus importantes que malheureusement des événements sur un serveur Minecraft. Voilà, c'était juste pour faire une petite apportée par à propos de ça, parce que j'ai vu souvent des commentaires dire « Ah, t'es pas tout le temps aux événements multi, etc. » Bah, c'est vrai que bah, des fois, on peut pas. Et quand on peut pas, voilà. Écoutez, on peut pas tout avoir. Du coup, on rejoint Ika et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire pour cette salle de la forge. Il va falloir sûrement creuser, trouver un emplacement. On va voir ce que ça donne. Voilà, elle est où? Je sais pas encore. Ouf. Faut qu'on voit. Bah, de toute façon, il reste qu'un endroit donc. Non, il reste plein d'endroits, mec. Non, par contre. Non, mais dans le centre là. Ouais, il y a plus d'endroits en fait. Ça, non. Comment ça, plus d'endroits? Ah oui, parce que c'est vrai que l'autre côté, c'est l'arrivée. Eh oui. Si on fait... Où est-ce qu'on fait l'arrivée, tu vois? Si on l'avait pas mise là. Donc en fait, on était obligé d'utiliser cet endroit pour faire l'arrivée, tu vois. Sinon, c'était pas logique, tu vois. Ouais. Je sais pas. Si, on aurait pu la faire dans l'extension, là. DLC. Dans le DLC. Où ça? Là-bas? Au bout du chemin, là. Ouais, mais en fait, je voulais qu'on ait vraiment... Tu sais, quand tu arrives dans le mont Roche-Noir, tu pars à gauche, tu pars pas à droite. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'était le principe.
Le DLC. Après, ici, en fait, ici, en vrai, ici derrière, il y a zéro place. Hein. Ouais, je sais. Parce qu'il y a déjà la grotte, enfin, il y a déjà la zone qui a été creusée. Ouais. Bah, après, on a là, en soi. En fait, le truc, c'est qu'il faut. Ce que je voulais faire, c'est que quand même, il y a un côté avec la lave qui est produite ici, tu vois, genre, ou qui sort du cœur du magma, tu vois, qu'on puisse l'emmener jusque dans cette pièce, ce serait la force. Ou alors, tout simplement, c'est juste, tu sais, genre, moi, je vois un truc central où t'as de la lave qui tombe dedans et c'est ça qui va servir à faire la force, tu vois. Donc, je sais pas, en vrai, comment me placer par rapport à tout ça, tu vois. Il faut que ce soit proche du volcan. Mais où ? Donc on peut le mettre après le quartier des ingénieurs, là, dans la suite du quartier des ingénieurs, là, vu qu'il y a déjà la porte. Un DLC ? Ouais, ça sera un DLC. En vrai, je sais même pas s'il y aura vraiment d'autres machines ici, tu vois. De toute façon, il n'y a pas grand-chose qu'on peut rajouter, moi. Ouais. En soi, on a déjà un bon truc bien creusé, tu vois. Je pense qu'en termes de largeur, on est déjà bien. Faut peut-être juste faire de la hauteur, surtout. Je pense qu'il faudrait creuser deux fois des hauteurs de pioche maximum. Et voilà, en vrai. Hein. Maintenant que la salle est entièrement creusée, voilà, ça fait encore un joli trou fait sur le serveur. En même temps, quand t'as un projet souterrain, t'es obligé de faire des trous, t'as pas le choix. Mais maintenant que tout ça est fait, moi j'ai déjà travaillé un petit peu sur le serveur créatif, bah, pour commencer un petit peu à build et voir un petit peu les proportions, etc. On va finir juste ça pour finaliser, faire la schématique, etc. Et après, on va commencer à build directement et se faire un petit timelapse. Du coup, allons sur le serveur créatif, voir un petit peu ce que ça donne. On est sur le serveur créatif, mesdames et messieurs. Parce que j'ai travaillé sur le design de notre cher ami. Alors par contre, il faut faire une porte ici. Hein. Ouais. De notre cher ami, la forge. La forge. Incroyable. Du coup, il faut que je finisse ça. Et après, on va build ça sur le serveur survie. Hein. Alors ce qui est chiant, là, sur Holycube, c'est une petite phase de transition. C'est que le serveur créatif est en 1.16.4. Alors que le serveur survie... étant 1.16.3, donc il faut changer les modes à chaque fois, c'est... voilà, ok. Ah, alors par contre, ouais, ce que je n'ai pas prévu, c'est que je suis un gros con, c'est que j'ai mis un poteau là, mais il faut une porte ici. Comment on fait ? Il est con, ce streamer-là. Il est con. Il a mis un poteau, et il n'a pas de poteau. Alors là, pourquoi il y a une ouverture comme ça ? C'est en gros, il y aura de la lave qui va tomber d'ici dans le seau, dans le chaudron, là, je sais pas comment vous l'appelez ça, qui est tenu comme ça, et en gros, il y aura un petit truc de Blackstone, mais ça, on le fera directement sur le serveur survie, les amis. Bien sûr. Alors après, bien évidemment, il manque la déco. Pour l'instant, nous ne sommes que sur de l'architecture, hein, bien sûr. Avec un petit peu, bon, voilà, un petit peu de déco à droite à gauche, de la lave qui arrive dans tous les sens. Depuis le temps que les gens voulaient un maximum de lave partout, là, cette salle, ils sont servis, hein. Je vous vois, hein. Alors après, il faut que je vérifie s'il n'y a pas d'erreur et tout, parce que j'ai fait des copier-coller, bien évidemment, en trois fois, dans tous les sens, etc. Là, il y a de la lave qui passe ici, un petit peu partout. Il y aura sûrement, je pense, dans la déco, quand on fera la déco, sûrement, probablement, un autre jour, il y aura sûrement des petits minecarts qui seront accrochés au plafond, qui vont en ramener des choses un petit peu partout dans la salle. Ça va être assez stylé. Un truc tout automatique, mais qui... ça vit dedans, vous voyez, c'est genre, on est vraiment dans une industrie un petit peu... il y aura des endroits avec des armures posées, des épées, etc. Mais ça, vraiment, voilà, comme j'ai dit, ça sera dans la partie déco. Voilà. Alors après, ce chemin avec de la lave, etc., je pense qu'il sera relié. Bon, hein, imaginez que là, de l'autre côté, on arrive dans le quartier des ingénieurs. Et que de l'autre côté, il y a le cœur du magma, ok ? Jusque-là, je pense qu'on peut y arriver. Alors par contre, c'est vrai que moi, j'ai pas prévu de porte. Hein, je suis un gros con, en fait. Hein. Alors ok, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut imaginer que là, voilà, c'est comme ça. Faut que ça reprenne le même code de l'autre côté. Pour l'instant, on fait des trucs comme ça. Alors pour l'instant, je mets ça, j'agrandirai le chemin de la lave après. Pour voir à peu près comment on pourrait design ça, tu vois. En vrai, il faudrait la même chose de l'autre côté. En vrai, il faudrait ça de l'autre côté. Attendez, il me faut une hache en bois. Si je fais ça, là... comment je fais ? Au secours. Alors, attendez. C'est où ? C'est honteux. C'est honteux. Là... Du coup, faut faire propre. Hein. Faut pas qu'il y ait d'autres blocs dans tout ça, sinon ça fout la merde. Ça rentre, hein. Ça rentre juste. Là, on peut retravailler un petit peu ici. Peut-être avec... comme ça. Ouais. Peut-être avec ce bloc-là. Ouais. Attendez, on essaye de faire des choses pas trop dégueulasses.
Alors, est-ce qu'on peut pas garder quand même le design du poteau en haut pour pas trop changer les choses et genre faire là comme ça et on récupère des escaliers ici et on fait ça. Ça peut être pas mal ça. Hein. L'entrée de cette forge. La forge. Bah écoutez, ça me semble pas mal. Après, bon, là, on va retravailler le machin, mais ça passe, tu vois, comme entrée. Ça passe, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, mais elle est simple, cette entrée. Moi, j'aime bien quand c'est simple, vous savez. En règle générale, je fais rarement des trucs compliqués. Voilà, on peut faire un truc un peu comme ça, avec un petit bloc d'or ici. Toujours. En tout cas, Ika va adorer cette salle à build. Donc là, normalement, là, si je fais ça, la forge build, load schématique. Ok, bah, il y a encore à creuser, les amis. Faut creuser le sol. Faut creuser un petit peu du mur. Faut rajouter une épaisseur ici. Des petits trucs à faire. Hein. Ça, on va enlever les limitations de salle. C'était plus pour les limitations de creusage qu'on avait fait ça. C'est chiant qu'on ait à creuser, là. Moi, ça m'arrange pas du tout. Hein. Mais au moins, on voit un petit peu ce que ça va pouvoir donner. Hein. En vrai, la salle, elle est grande. Hein. Je pense que ça fait partie des plus grandes salles des mines, je sais pas, c'est à voir. Mais ouais, bon, un petit peu de minage en plus, hein, ça fait pas de mal. Après, c'est vrai qu'il y a l'escalier ici. Alors après, pour le coup, ce qui sera le plus chiant, c'est toute cette hauteur-là où il faut encore enlever du mur. Mais c'est que pour une petite épaisseur de blackstone, donc ça va, là cette partie-là, hein, je parle. Donc toute cette partie-là où il faut enlever encore du mur en haut, mais ouais... On se retrouve donc après ce timelapse et la salle est construite. Alors dans le timelapse, nous n'avions pas fait encore les lacs de lave et comme vous pouvez le constater, ben, il manque encore un petit peu de lave ici, de la lave qui tombe en haut ici, il faut faire des petites finitions pour faire une sorte de petit cratère où il y a de la lave qui tombe dans le chaudron. Et de toute façon, il reste encore tous les détails de décoration, changer les éclairages et tout. Mais en soi, moi, ce que j'aime bien faire, c'est une étape où vraiment on construit la salle, donc il prend quand même beaucoup de travail. Et après, faire des petites décorations. On va sûrement mettre des porte-armures avec des armures en or, des épées en or, etc. Histoire de décorer tout ça et de voir que c'est quand même une forge qui est en travail. C'est vrai qu'il manque de la lave aussi en dessous des canaux ici. Faudra que je fasse ça. De toute façon, ce canal-là, voilà, comme c'était prévu, il va continuer ici et aller jusqu'au bout. Parce qu'en soi, la lave, une partie de la lave vient d'ici et va se diffuser dans le sol un petit peu partout. C'est une sorte d'énergie qui est utilisée par les nains qui vivent ici. Mais la lave, c'est vraiment le pire truc à placer dans Minecraft. Rien que pour faire les 4 lacs qui sont là, j'ai pris plus de 3 heures. Après le timelapse, c'est vraiment horrible. Hein. C'est le pire truc. Mais partez du principe que ça, c'est rien comparé à ce que nous allons faire dès le prochain épisode. Enfin, je sais pas si on commencera au prochain épisode. Parce que normalement, au prochain épisode, mesdames et messieurs, nous aurons enfin le terraforming fait par Aurélien Sama de tout l'extérieur. Il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Ça ne se fera pas en une fois. Je pense qu'on fera ça sur plusieurs épisodes. On en parlera bien plus en détail à la prochaine vidéo. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous rappelle voilà, que si vous voulez une autre série sur ma chaîne, nous avons Soldes dans l'hiver qui vient de se lancer, donc n'hésitez pas à aller voir, il y a un prochain épisode dès demain. Donc si vous avez loupé le premier, c'est le moment d'aller le voir. Vous avez également la playlist HoliCube si vous avez loupé les épisodes précédents.
Et on va essayer de reprendre un bon rythme de 2 épisodes par semaine. En tout cas, merci à tous de votre soutien. Encore merci d'être là. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.